Camerounais, chers compatriotes, ici c'est le président de la République, Dre the Christ Banting. Bim! À tous et à toutes, and welcome to Urbanize. Alors, cet après-midi, si on parlait d'art, de peinture et de musique, ça, ce serait bien, non? Et donc, je vous invite à aller à la rencontre d'un artiste, Mr. Jazer, que forcément, un bon nombre de personnes vont découvrir à l'heure où je vous parle, et peut-être Max Thor, ladies and gentlemen. C'est maintenant que ça commence. Nous sommes au caméra, qu'est-ce que tu crois? Damn. Yo, yo, yo! Bon après-midi à tous et à toutes, and welcome to Urbanize! Au sommaire de ce programme, cet après-midi, de l'art plastique et de la zik. Encore au rendez-vous avec Jazer, que nombreux connaissent comme étant un chanteur de reggae, qui nous montre bien évidemment une autre facette de lui dans le painting. Un art qu'il maîtrise, tout comme les arts martiaux et le reggae. Il sera des nôtres cet après-midi. Je l'ai repoussé, elle ne veut pas m'écouter. Elle dit que je suis sincère, pour sa sœur infidèle, qui se balle à tous les soirs et même sa vie n'est que bordel. Elle ne veut pas me voir souffrir avec une vieille gazelle. C'est ma meuf, elle le sait, et je l'aime pour de vrai. Rosine veut de moi une place, mais moi jamais, jamais. Pourquoi c'est seulement moi que la vie pour sa soif? Tout simplement parce que tu lui plais. Elle t'aime et elle t'adore, toi-même tu le sais. Même si elle est shine man. En deuxième partie de ce programme, Max Thor, le Mongo Fire d'OVNI Music, s'est ouvert à nous pour nous parler de lui, mais surtout de son actualité. C'est à MKP qu'il nous a reçu en deuxième partie de ce programme. Ma maman m'avait dit de ne jamais dormir dehors. Amouf, n'est-ce pas? Anne, c'est ta maman aussi qui te maquille. Faux mascara, tatouage, petite jupe en cuir, Pardon, laisse maman tranquille, tu n'as pas peur de Dieu. Et comme d'hab, les 10 clips qui font le buzz, parce que c'est vous qui votez, seront au grand rendez-vous cet après-midi. Suivi de la cover Sawa Romance, une reprise de Nabila, jeune chanteuse de la partie anglophone du pays qui prépare d'ailleurs un son avec Mr. Loco. Elena Serna, oui, nombreux vont la découvrir ce jour. C'est une jeune camère basée du côté de Paris, crazy d'art et de chant, qui a mis à notre disposition son clip Chanter ma chose, un petit délire de Pimbeng, là où elle se trouve. Attention, elle sera au pays en décembre prochain. Tu n'y as pas mort. Laisse-moi chanter ma chose, même s'il n'y a plus d'espoir, Laisse-moi prendre ma dose. On finira avec la prestation live de Mr. Michael Kiesuke de retour au Palais des Sports en début de mois d'août, alors qu'il assurait la première partie du concert de Mr. MHD de passage au Cameroun. Je rappelle que son clip Ben Trap Opa est official et bientôt en diffusion dans Urbanize. Voilà ce qui vous attend durant les prochaines minutes, mais avant, je vous ordonne de tout, mais alors de tout arrêter, because le boss de Empire Company is back. Pete Bacardi in the building, ladies and gentlemen. Arrêtez, arrêtez. Les jeunes veulent arrêter de voler, de pire, les enfants.
négro, ça dit que je suis mouillé. Arrêtez. À mes soldats, je reprends du service, ne mélange pas. Famille et business, ne déçois pas. Sinon, on te dit d'arrêter. Arrêtez. Les gens ont peur, plus de colonies, l'économie tourne. Soyons les leaders de nos pays. Arrêtez pas, gardez, c'est pas la peine. Trop violent, le mal nous demande d'arrêter. Arrêtez. À tous et à toutes, and welcome to Urbanize. Alors, vous savez, on ne parle pas beaucoup de la danse, de streetwear, de videomaker, de DJing, de beatmaker, encore moins du painting. Soit parce que les acteurs restent behind of the scene, ou alors parce qu'on accorde assez d'importance à la zik. Or, la combinaison de tout ça forme une force culturelle que l'on gagnerait à vendre et à promouvoir auprès du public kiffer et même des étrangers. Alors, Urbanize, s'intéressant à tout ce qui touche à la culture urbaine 237, se plonge dans le temps du painting d'un autre genre, d'une autre génération, d'une autre couleur. Bref, nous sommes chez Jezzer, ladies and gentlemen. Nombreux le connaissent comme étant un Rasta, fan de culture Rasta et chanteur de reggae, alors que cet autre frère de Franco a d'autres cordes à son arc que vous ignorez, ladies and gentlemen. Par exemple, saviez-vous qu'il était amateur et pratiquant d'arts martiaux? Autre chose, savez-vous qu'il était un excellent peintre, voire un artiste plasticien? Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous le savez désormais. Cet héritage artistique et culturel lui a été légué par son papa, l'étoile meule de son sanctuaire une fois que vous entrez chez Jezzer. Et attention, ces toiles ont une histoire. Par exemple, la main extra numérique qui nous a quittés il y a quelques années, une performance faite avec le pied lors de l'hommage rendu à mes il y a cela quelques années. Et que dire donc de Jean-Michel Cancan accroché à son mur? Oui, ce célèbre humoriste camerounais légendaire qui inspire pas mal de jeunes de tous bords, même dans le secteur de la musique urbaine 237. La parfaite illustration est celle de Mr. Max Thor, qui s'est inspiré de cet humoriste pour produire le titre Bonbon alcoolisé, pour ceux qui l'ignorent. C'est mon meilleur comédien jusqu'aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que les moustiques charismatiques font, ça te prend pas? Non, ça me prend, mais ils n'ont pas l'âme que j'ai quand je suis. Ils n'ont pas l'âme que je trouve quand je suis les comédies de Jean-Michel Cancan. Et il m'a baissé tout petit, donc ça m'est arrivé, j'ai dit non. Je vais quand même vous présenter. Quel est votre nom? Qui? Vous. Moi. Votre nom? Jean-Michel. Jean-Michel qui? Cancan.
Les jeunes filles du quartier Mouadam m'a fait bonbon. Les jeunes filles du quartier Mouadam m'a fait bonbon. Alcoolisé. Les jeunes filles du quartier. Et c'est aussi un jeune rappeur camer, mais vieux jeu, qui, comme Jezzer, s'est inspiré des disques de son père pour se frayer une place dans l'univers de la musique camerounaise en pleine expansion, même si elle est toujours en quête de véritable identité. Excellent beatmaker et ingé son, ce diplômé en réseau télécom s'est fait piquer son disque dur, truffé de projets lourds par un de ses combis. Bah ouais, ce sont des choses qui arrivent, frère. Mais bon, ce qui lui a permis de rebondir aujourd'hui et de gagner le cœur de ses nombreux fans qui approuvent son talent au fil des jours. Oh ouais, le son te plaît. Janda, voilà. Maintenant, tu as donc vu la photo de mon banga. Grand Max Star, 10 sur 10. Bébé, tu as donc vu, donnez-moi tout de suite. Pourquoi tu m'aimes, tu n'es même pas ma. Attention, le clip Owe est déjà official il y a cela quelques semaines, postérisé bien évidemment by my man Regis Tala. Titre que l'on retrouve en featuring avec le général Boss B dans son EP sorti il y a cela quelques mois. Bref, je m'arrête ici because c'est à mes invités de se livrer à vous cet après-midi, chacun dans son environnement respectif. Si vous êtes ready, eh bien c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Oh ouais, moi-même je confirme, le son est bu. Oh ouais, tu croyais me finir, voler un disque dur. Wow. Mais moi les beats que je me doux n'ont pas de végétude. Oh ouais, Mongo Fire. Mic check. You bananas. Ladies and jungle people, here come the lion. Oh, le motopoken, ça va être bon. Hein. Oui, non? Allez, go, go. Nous sommes chez Jezzer, ladies and gentlemen. Installez-vous, because c'est maintenant que ça commence. Qu'est-ce que tu crois? Je les repousse. Alors, nous sommes dans ton sanctuaire, Mr. Jezzer. Oui. Le chapeau, c'est Jar Djanéa. D'ailleurs, toi, t'es un chef, parce que je vois très souvent Paul Henri porter ça aussi. Bon, là, moi, je l'ai porté parce que j'ai le titre de messager. Sérieux? Ouais. Non, mais attends, sérieux, dans la tradition Douala, c'est ça? Dans la tradition Douala et moi, dans mon concept. Ah, dans ton concept aussi? Ouais. Donc, j'espère que les chefs Douala ne vont pas te tirer dessus lorsqu'ils vont voir ce que t'as porté comme... Non, je suis juste un messager, ils vont pas me tirer dessus pour rien. Ah, ok. Ben, merci encore de nous accueillir dans ton sanctuaire. C'est vrai que tu es façonné à Maman, Forcy, la vraie magie, c'est le formula. Bientôt, le mec, c'est assez crazy. Mais bon, moi, j'aurais voulu qu'on parle un peu de toi, vu sous plusieurs casquettes. Mais moi, je vais retenir deux. Parce que je sais qu'en plus d'être chanteur, tu es aussi... artiste peintre. Alors d'où te vient ça? Est-ce que c'est la musique qui vient avant, ou alors est-ce que c'est je sais pas, la peinture qui te vient avant, ou alors ce sont les deux finalement? Là je vais dire les deux. Les deux, mais la musique a été réveillée avant la peinture. Ah ok. Oui, puisque déjà ce n'est que le dessin qui a été le premier pas pour arriver à la peinture. Ah ok. Oui. Donc musique, peinture, tout ça, c'est mon papa. Ah, c'est ton papa? Oui. Donc ça veut dire en fait que tu tiens ça de mon papa. De ton papa? Oui. Qui est un fin dessinateur et un monsieur qui a fait la musique, qui a écrit des musiques aussi pour d'autres artistes. Mmh. Ouais. Alors à l'époque, tu dessinais quoi en fait pour aujourd'hui t'investir dans ce type de registre d'art? Oui, je faisais des romans. Sérieux? Je faisais des romans, je reproduisais même des romans. J'avais la capacité de reproduire un roman près de 60 pages en une, deux semaines. Mmh. Oui, reproduction directement. Et j'avais aussi des petits portraits noirs sur blanc, crayon et bic, autres, que je faisais, et des représentations des bandes dessinées, et des jeux vidéo, que je faisais jusqu'à ce que j'arrive à la peinture. Alors, à quel moment tu as décidé d'urbaniser ça un tout petit peu, genre musique urbaine et art plastique? Quand est-ce que le déclic a commencé? Quand est-ce que tu as voulu allier les deux? Bon, les deux, ça commence dès 2006. Mmh. 2006. Et qu'est-ce qui te pousse à le faire? Déjà, je commence à rapper et je vois des vidéos américaines avec des dessins comme Tupac. Ouais. Des vidéos de Tupac en dessin et tout autre. Et ça me revenait toujours, vu que je dessinais déjà très bien. Ça m'a dit, mais pourquoi pas mélanger même mon petit rap, parce que je commence à rapper. Puis j'ai dit, mais je vais faire des trucs et
m'exprimer avec musique et peinture. Justement. Ouais. Alors moi, lorsque je te vois aujourd'hui, ça me fait penser à un grand frère qui nous a quittés. Père son âme, Mister Merrick. Ouais. Et c'est ce jour-là que moi, en fait, je découvre que toi, tu es un peintre. Parce que tu fais un truc, moi, je m'attends à ce que tu chantes. Ouais. Mais tu viens plutôt faire une sorte de painting show. Mais une sorte de painting show assez différent quand même parce que tu vas pas le faire comme Merrick le faisait très souvent avec la main. Attendez un peu, je vais vous montrer la main extra de Merrick. Et donc, ça, c'est la main extra de Merrick. Mais sauf que la particularité avec toi, c'est que tu l'as fait avec le pied en fait. Tu as dessiné la main de Merrick avec le pied. Mais comment tu fais ça? C'est un truc de dingue ça. Je disais, c'est d'abord un fan des arts martiaux. Sérieux? Oui. Et la petite force que j'ai en moi, je ne l'ai pas eue dans un dojo. Oui, oui, c'est aussi un réveil comme ça d'esprit, vu que j'étais trop fan de Bruce Lee. Donc, avec ces petites connaissances que j'avais, je me suis dit, pourquoi fatiguer la main tout le temps? Est-ce que le pied aussi ne peut pas s'exprimer? Alors, ça me vient et puis... Justement. Juste ça. Oui. Alors, est-ce que tu as eu à rencontrer Merrick avant son décès, peut-être? Non, j'ai jamais eu à rencontrer Merrick. Tu l'as jamais... Vous n'avez jamais côtoyé, on ne s'est jamais côtoyé, on n'avait jamais parlé. On n'a jamais changé, on s'était juste salué au un événement de Tony Nobody. Ouais. Oui, oui, on s'était juste vu comme ça, on s'est salué, c'est tout. Personne n'a su qui est l'autre. Mmh. Vu que moi, je savais que lui, il est, mais lui, il ne savait pas qui il était. Donc ce jour, c'est arrivé et on m'a choisi de choisir les artistes pour le painting, live painting pour son deuil. C'est comme ça que j'arrive avec mon frère. On voit dans les gars, ils peignent, ils font des trucs. Et j'avais vraiment pas vu ce que je voulais voir. Je me suis dit, je devais trouver des trucs un peu ouf. Certes, c'était des artistes, mais j'avais pas vu ce que je voulais, vu que c'était le deuil d'un gars vraiment spécial. Oui, alors j'ai dit à mon frère, je pense que ce truc-là, je vais faire avec le pied. Justement. Il me dit, tu t'es même pas entraîné, je sais pas comment ça te vient là maintenant. J'ai dit, c'est venu, tu sais que j'avais prévu ça depuis un jour, faire avec le pied. Bon, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais le faire. Normalement, je devais faire le visage et vu que déjà les gens faisaient beaucoup de visages, j'ai dit, bon, je vais donner juste un big up à sa main. Ouais. Ouais. Et là, on a la main extra de Merrick. En fait, c'est pour avoir une pensée aussi pour Merrick qui nous a quittés. Mais aussi, bon, c'est vrai que ce que je vais te poser comme question là ne va pas en droite ligne avec ce que la communauté urbaine voudrait. Mais à un certain moment quand même, Merrick peignait la ville, il peignait les murs de la ville et toi. Toi, quand est-ce que tu as commencé à le faire? Genre les graffitis partout, on se lève un matin, on se rend compte que ben voilà, Dizer a fait tout ce qu'il a pu faire sur tous les buildings. Dizer a fait tout ça, mais sous une autre forme, à Bonaberry et dans d'autres coins encore. Oui, là je ne faisais pas des visages déjà, mais j'avais des petits messages. Des messages des rappeurs ou alors des chansons qui m'ont beaucoup touché. Mais tu le fais pas en public parce que sinon les keufs. Oui, toujours, on a toujours été des oh la loi. Bon, j'espère quand même que j'ai le fait de te dénoncer aujourd'hui ne va pas faire en sorte que les gars viennent te check quoi. En tout cas, on a été artistes, donc on a le droit d'assumer. Mais aussi, tu pourrais te rapprocher, je ne sais pas, soit de la délégation du ministère auprès de la culture ou encore, je ne sais pas, pour pouvoir produire autant de choses et embellir la ville. Moi, je vois par exemple des dessins qui se font du côté de on appelle ça quoi, soit ici au lycée d'Aqua, oui. Ou encore du côté de Ndokoti. Mais c'est pas vraiment urbain comme ce que je vois là. Quoi. Oui, il y a déjà des trucs qui se sont lancés. Vu que déjà même dans cette toile-là, je devais être là, mais j'avais juste des préoccupations et j'ai pas pu déposer une petite marque de moi dans ces murs. Mmh. Oui. Et donc quelle est la particularité de tous tes tableaux? Les tableaux sont beaucoup mélancoliques. Mélancoliques? Pourquoi la mélancolie? La mélancolie, je l'ai bougé, j'ai grandi avec. J'ai été toujours dans mon coin. Même sans qu'on m'ait comprimé, j'étais toujours en train de réfléchir. Pourquoi? Est-ce que c'est dû à une frustration? Frustration, je me suis toujours trouvé, j'ai toujours trouvé des idées dans la mélancolie et dans l'ombre. Oui. Mmh. Oui. Et donc, tout ça a une histoire, tous les tableaux ont une histoire? Toujours. Bon, c'est vrai que j'ai présenté la main de Merrick, je vais présenter un tout dernier tableau parce qu'on va voir le tour, on ne peut pas faire quand même le tour. Mais ce qui m'intéresse
Je suis bien? Oui. C'est ce tableau-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la maison, mais c'est Jean-Michel Cancan. Oui. Voilà. Pourquoi Jean-Michel Cancan? C'est mon meilleur comédien jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Oui. Qu'est-ce que les moustiques charismatiques font? Ça te prend pas? Non, ça me prend, mais ils n'ont pas l'âme que j'ai quand je suis. Ils n'ont pas l'âme que je trouve quand je suis les comédies de Jean-Michel Cancan. Et il m'avait dit tout petit, donc ça m'est arrivé. J'ai dit non, je vais quand même représenter. Non, mais sérieux, il faudrait que le ministre de la Culture prenne attache avec toi ou bien que tu ailles vers eux, mais parce que un talent fou comme ça, je vois assez de toi quand même, des figures comme Jean-Michel Cancan ou encore le tableau qui est tout juste derrière nous là, qui raconte une histoire. Je crois que c'est Les Pleureuses. Non, 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 non. Là, c'est Marie-Isabelle, une histoire à moi. Une histoire à toi, ouais. Vécu. Ouais, donc ouais, tu l'as connue, cette Marie-Isabelle. Ouais, ouais. Bah, dis donc. Bon, et la chanson donc dans tout ça, est-ce que lorsque tu peins, c'est qu'il y a une chanson en fond sonore? Toujours, toujours. Je peins toujours avec la musique. Mmh. Toujours avec la musique. Soit c'est du reggae, soit c'est du makossa. Pourquoi du reggae? Encore que ce soit des dreads. Oui, reggae, parce que en fait c'est là que je me suis identifié. Mmh. Oui. J'aime super bien du reggae, ça me galvanise. Il y a des choses à l'intérieur qui me font passer à une autre étape. Mmh. Ouais. Donc ça devient spiritual. Oui, 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 oui. Alors on va bientôt sortir, je ne sais pas ce que tu as encore à dire. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire ou alors qu'est-ce que j'aimerais qu'on sache que l'on ignore de toi, comment est-ce qu'on doit te contacter ou encore avec qui tu travailles, parce que là, je vois que Franco aussi fréquente beaucoup cet endroit et tout. C'est la famille, c'est pas une affaire d'amis. Mmh. Franco, c'est la famille, oui, oui. Et déjà, je travaille avec le Magnum. Ben ouais, ils sont oui, là. Le Magnum qu'on connaît très bien, Frankie P, Tonton Boudor. Vivi, sans oublier toi en même temps. Ben ouais. Et aussi autre comme Forcy. Ah, le Forcy, le Forcy. Oui, le grand Max Mani, qui sont chacun en train de préparer. Non, finalement, c'est la maison de tous les rappeurs, les artistes. Ça, c'est le temple. C'est le temple. Alors, comment est-ce que je fais pour te joindre? Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, téléphone, un truc comme ça. Oui, déjà, sur Facebook, on a DJ King, comme Frank King, bien sûr. Oui, sur Facebook. Sur WhatsApp, comme les gens ont l'habitude, comme ça se passe beaucoup trop par là, on a le 674 49 24 40. Mmh. Oui, ça c'est le numéro du business et tous ceux qui veulent me rejoindre personnellement. Yeah. Oui, oui. Et pour me rejoindre au cas où, c'est Aqua, rue Fauche. Non loin de Beko Sadé. Non loin de la maman qui rappe. Yeah. Yes. Toujours. Merci encore Forcy d'être passé par ici. Merci aussi à tous. Je ne sais pas si je vais tous les saluer. Non, mais qu'est-ce que je raconte même? Lui c'est Dieser, toi c'est Forcy. Bah c'est la famille, c'est pas grave. La voix magique c'est le femme là. C'est le femme là. Bientôt. Bien quoi. Yeah. Le magnum de ce côté. Yeah. Merci yeah encore. Vous étiez là, non? Okay. On est toujours là, mon frère. Super. So, ladies and gentlemen, je vous invite à marquer une légère pause, le temps pour nous d'aller suivre le top 10, les 10 clips qui font le buzz, because c'est vous qui votez. So, si vous êtes prêts, c'est maintenant que c'est parce que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Damn! Baby girl, when I look into your eyes, I imagine the things I want to show you. Take your hand, show you around the world. Maybe good things I will bring to you. Cause you're my only one. She ain't my number one. You are my precious heart desire. You are my only one. Et je suis ton number one. Ma chérie, l'amour que j'ai pour toi me fait chanter. Be the one to be. One to be. Salabio, c'est comme
I didn't say. When I see you, baby, let me love you. I know say you know be marabu, shiri coco, mon amour. I know get me bad belle, belle. My love no be jelle, jelle. From the before Cameroon, I do kase aja. Baby, you sabi. Que j'ai un bang, y'a même quoi là-bas. Que j'aille en bang, y'a même qui là-bas. Hein? Si c'est le froid, nous on a ça en jam. La MA ça fait quoi? Dis donc, passe-moi mes checks. Dieu, dites-moi si en bang, on donne le crédit comme chez Bombo. Si c'est une histoire de blanc, nous-mêmes on a ça, on a nos Calvino. Les fruits en Djombé, Kouloulou dans les Djombé. Si t'as envie de t'amuser, la rue de la joie, c'est Bobé. C'est Bobé, c'est Bobé. On n'a pas besoin de vos Michael Jackson, nous on a petit pays. Yeah. On s'en fout de la Maison Blanche, nous on a le palais de Tutti. Ne viens pas m'embrouiller avec Rihanna, moi je rêve des grâces des cas. Ne viens pas me jouer les rocks ici, je veux le Makossa. Qu'est-ce que tu m'appelles, Adolf Hitler, moi je connais Oumyobé. Tu me dis que tu manges cacao, ouais, moi je mange le Condré. J'ai rien à foutre de Jackie Chan, moi je regarde les déballeurs. Too much water, no feed kill fish. So I di chop a springer inside big dish. If I want chop bunny fish, they get to roast shark. Throw it 10 crate for down before I start shark. You like you mind my business, you no go make gain. Men and don't crush me, I just look them now we eye. My way no come with a plane, make you no complain. I'm all about me, myself and only I. My fans are hard in Yongo, we there for yeah di tongo. If you know you a hater, we go give you that mulongo. The boy got swag. A tight skin pass me yonder. Manga sem na de eye, now nivi mean be Congo. Yeba, hesh, I'm never getting weak. I stay on my grind, bro, each and every week. And I no get to domo, cause Creef get my back. And all these other rappers, I don't leave them for back. Anything I do, you get to fear. I been a man world, you get for fear. Swag way I carry, not to fear. Top off for my mob, not to fear. If you know you're better with another, if you're better with another, then I will let you go. But if you know, you know that I could make it. For you I'd do anything. Baby, please don't let me go, cause I really want the chance, yeah, to make you feel sour romance, yeah. Man, never talk your line, yeah. Man, call it to your line, yeah. Though I really want the chance, yeah. Cause I know that I could go very far if I were with you. Cause you got that special one thing, my shady. Everybody all around you said I cannot do without you. Nobody can explain all this love for you. Oh my baby, sinayo nayo, that I was falling for you. Ne parlons même pas de ton corps, qui tous les jours fait perdre la vie. Yeah.
Texas, but still we cooking up Kamek 360 degrees. We dreaded Christ, I bro, we shutting down the industry. We're raising up an empire, saving up for a legacy. They're trying to get me out, get it, who take me alive. I'm on a steady high, but for busy trying to keep my vibe. I'm at rapture when I'm gone, no need for a dumpster. I'm on your way, with the touch and pass it on to Treadstone, yeah. You see your Kamek, moi je ne... C'est la table en jean. If you don't jump at the man, go out. Go now. Parce que ça chauffe ici, ça donne. Et oi, oi, oi. Tu fais quoi dans la ville de Kumayo, baby? Tu sais bien que c'est l'homme de Turi. Mado, tu fais quoi dans la ville de Kumayo, baby? Tu sais bien que c'est l'homme de Maria. Mado, eh, eh. Mado, eh, eh. Mado, eh, eh, eh. Tu sais bien que c'est l'homme de Maria. Mado c'est la life, chérie je suis pas là, pas là. Fallait pas m'allumer oh, fallait pas me toucher oh. Et voilà comment le temps passe et tant que j'ai dans l'affaire. Kemayo ne dort plus à la maison. Kemayo ne rassonne plus à la maison oh. Il a même déménagé pour vivre avec Mado. Et pourtant qu'il se disait que c'est juste une fois. Je confirme, le son est bu. Oh ouais, tu croyais. Alors, je vous ai dit d'entre autres jeux que nous allons parler d'art et de musique. So, après un détour du côté de. Enfin, du côté de chez Geyser avec les tableaux, eh bien, nous fonçons direct du côté de Makepe pour aller à la rencontre de Mr. Max Thor, a.k.a. Mongo Fire, je crois. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'embouteillages, mais aussi le temps nous fait défaut. C'est pas trop beau à Douala depuis un bon bout de temps quand même, mais bon, nous y allons et voilà, dans quelques minutes, nous y serons. Mastor avec. Le pain, tu connais le bon son, laisse, je mets le volume. Toi les gars. Le pain, le son te plaît. Oh ouais. Ah, je vois que ça te plaît. Oh ouais. La main, le son te plaît. Oh ouais. Ah, je vois que ça te plaît. Oh ouais. On bouge pas un peu. Oh ouais. On la casse pas un peu. Oh ouais. Bouillaka de bain dans copine. Malaise à combat dans combat. Oh ouais. Tu es ça, mon nom. 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 Tu es ça,
famille, je suis là. Oh ouais, Mani, c'est dû d'effacer mon nom dans le répertoire, Nenga. Oh ouais, c'est bonbon alcoolisé. Oh ouais, mené bien pimenté. Oh ouais, apporte-nous le soya de petit Magida, bring même pour colo. Oh ouais, c'est moi un verre de Jean. Oh ouais, accompagne avec une DAC. Oh ouais, je suis déjà dans la place avec tous mes gars, il manque les gars. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est un ami. En même temps. Alors, nous sommes de retour, ladies and gentlemen. Après donc les 10 clips qui font le buzz, vous avez vu, on a pu prendre le taxi, quitter de chez Deezer pour arriver à Makepe pour rencontrer My Man, Mr. Max Thor. Mais avant, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de toujours influencer le classement en nous envoyant vos propositions by mail urbanize@equinoxtv.com ou encore via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et aussi, hein, vous pouvez aller et bien évidemment visiter notre page Facebook Urbanize. Et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? So, Mr. Max Thor in the building. Qu'est-ce que tu crois? Allez, quoi, quoi? Oui. Yeah. Mais toujours frais, tu baisses pas la garde et tout. C'est quoi le truc en fait? Mais on maintient, papa. On nous maintient. Toujours en train de charbonner et tout, donc ça va aller. On est là. Il y a quoi? Star System, toujours. Toujours. On est là à vendre aussi en même temps. Bah ouais. Et pour tous mes petits frères qui me regardent, je veux que je sois bien soigné. Ouais, ouais, hein? Pour qu'ils prennent l'exemple. Exemple, exactement. Voilà. Exactement. Alors, moi, Max Thor, je te rencontre quoi? Lors de ton first single, bon, je sais pas si c'était le premier, mais je sais quand même que. Et ce qui, moi, a attiré mon attention, c'est le truc avec Jean-Michel Kank. Exactement. Je crois que c'est Ndoukan qui a fait le clip. Oui. Voilà. Alors, tu t'inspires de quoi? Parce qu'on voit que tu as samplé Jean-Michel Kank et tout. Le délire part du studio, en fait. Le délire part du studio parce qu'on est au studio, on est en train de bosser. Et à un moment de pause, j'écoute les sketchs, les délires et tout. Après, là, je dis à mon gars, je t'avais un de mes gars, je dis... gars, je me détends, j'écoute Jean-Michel Kank, il me fait rigoler. Maintenant, en écoutant cet endroit, quel est votre nom, mon bonbon à causer des filles de Mbobada, je bloque. Ça m'amuse, c'est-à-dire je coupe, je mets dans mon FL studio et je commence à m'amuser dessus. Et puis, je monte le refrain. Le matin, dans la nuit, je me dis pourquoi pas, je monte le beat dessus. Après, j'écris la chanson à 6h, la chanson est née. La chanson est née un jeudi et c'est passé à Nostalgie un vendredi. Super. Le vendredi qui a suivi. Il va falloir remercier Jean-Michel Cancan, hein, aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Puisque après, j'ai essayé de contacter sa famille. Sérieux? Oui, déjà, parce qu'on avait un peu peur des droits de. Ah ouais. Raison pour laquelle j'ai mis featuring, parce que pour ne pas m'approprier les droits. C'est-à-dire que c'est quand même sa voix qui est carrément au refrain, bien samplé. Du coup, j'ai mis un featuring parce que voilà, c'était tout aussi un hommage à Jean-Michel Cancan. Super. Qui est mon super comédien de tous les temps. Justement, là, il y a Jezer aussi qui me l'a dit, parce qu'il y a chez lui un tableau, il a fait. Il a dessiné Jean-Michel Cancan et tout. Mais il faut dire que c'est quand même osé, hein, parce qu'on voit pas trop la jeunesse faire ça. Big up les grands frères ou alors les aînés, les légendes. On voit pas toujours ça. Ça veut dire que t'as quand même osé. Hein. Oui, aussi parce que je suis un peu rétro dans la tête. C'est-à-dire que quand on vient au studio, gars, Max Thor écoute les Kossadés, les anciens sons, les anciens succès. C'est un truc, ça revient un truc en moi parce que quand j'étais petit, c'est ce que papa mettait toujours à la maison. Donc, du coup, je suis un peu vieux jeu. Ça veut dire dans mon écoute personnelle. C'est-à-dire que dans ce que j'écoute pour mes moments de détente. C'est les disques de papa, voilà. En fait. Voilà, les disques de papa, c'est ce que j'écoute. Du coup, les comédiens de papa aussi ont suivi. Non, Jean-Michel Kank est dans la foulée. C'est-à-dire que c'est un peu président, qui est maintenant président Chop Chop, qui était à l'époque. Les sketchs, les comédies, c'est un peu ça, en fait. La nouvelle génération, ils sont très bons aussi. Mais je suis plus vieux joueur, raison pour laquelle, voilà, mes influences viennent un peu de là. Justement. Alors, mis à part cela, quand même, il faut dire que tu es... beatmaker, producteur, puisque tu produis toi-même tes sons, c'est ce que bon nombre de personnes savent. Ouais. D'où vient ça, quoi? C'est la première passion, en fait, déjà faire les beats. C'est-à-dire que à l'époque, on était tout petit, on voulait aller travailler chez des DJ, des gars. C'était compliqué. On disait, petit, tu n'as pas encore les niveaux. Petit, tu ne. On va bip là. Hein. Tu ne fais pas encore le truc là et tout. Hein. C'est, nous, on est déjà au cosmos élevé et tout. Voilà, pour nous, 125 000, 120 000. Et puis, quand j'écoutais les potes, c'était pas toujours terrible. Et c'était pas ce que je voulais parce que je suis plus accentué côté africain. Je suis plus africanisé. Donc, j'aime bien africain.
fait comme disait mon instru, même si dans certains de mes sons on voit de la trap et tout, ouais, ouais. Mais j'aime bien cette culture africaine là. Du coup voilà, je m'achète mon premier PC, j'arrête papa que je veux mon premier PC à l'époque un Pentium 2. Je commence à monter ouais, des beats rien, hein, et rien. Petit à petit c'est de là même qu'est né mon nom Max Thor, parce qu'en fait de mon prénom Max, les gars qui venaient écouter mes beats disaient mec ça c'est fort, yeah, c'est et fort. Ils ont fait non Max Thor, Max Thor là, Max, c'est trop fort, fort voilà. Yeah. Bon aussi il y a un autre truc en fait, je veux que tu me confirmes ça. Est-ce que c'est vrai qu'on t'a voulu un disque dur où il y avait tous tes programmes, tous tes projets et tout, parce que tu le dis dans la chanson en featuring avec General Bospy, d'ailleurs on en parlera, que on t'a voulu un disque dur et tout. C'est réel ça? Oui, oui, c'est réel. Parce que quand Jean-Michel Cancan sort, Jean-Michel Cancan n'était que le bonus en fait d'un maxi single qui devait sortir. Je veux dire d'un EP de 7 titres qui devait sortir. Et Jean-Michel Cancan était le bonus. C'est-à-dire qu'à l'époque, on envoie le son à la radio. Parmi tous les sons du label, on a pris celui-là pour le mettre en avant. Mais c'est juste le bonus. C'était l'introduction ouais, ouais, au Maxtor. Et puis par la suite, j'avais mon disque dur qui avait. Comme nous tous les beatmakers qui avaient mes données personnelles, parce que j'évitais de garder en fait dans ma machine. Ouais, 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 ouais. Je faisais pas comme c'est des données et puis sauvegarde, non, je sauvegardais tout vers le disque dur. Aïe, aïe. Du coup, voilà, j'ai donné l'accès, disons, j'ai donné la main à certaines personnes. Et on t'a piqué le disque dur. Voilà, ouais. Wow. Donc, du coup, j'entre un jour en studio, quand j'ai fini de bosser avec les gars, je m'absente pour régler un problème parce que je vis, disons, dans un immeuble. Je descends pour aller régler un problème. Je remonte, bon, les gars, je croise les gars à la sortie qui me disent « Bon, gars, on est en train de foutre le camp. » J'ai dit « Ok. » Donc, comme ça, je rentre, je dors. Le lendemain matin, je veux bosser. Ils disent que je n'ai pas connecté. Oh là là. Et voilà comment les pleurs commencent. Et puis, heureusement pour moi… Sérieux que tu as chialé? Oui, j'ai chialé. Sérieux, parce que là-dedans, j'ai un disque du Dun Ira avec les beatmakers, les samples. Déjà, mon album à moi-même, c'est mon EP, tout ça. Donc, j'étais effondré. Et heureusement que Bombo Akoulizé m'a au moins, c'est-à-dire que continue à me reconforter. C'est-à-dire qu'à travers des gens comme vous qui diffusaient dans votre chaîne de télé et toutes les chaînes de télé qui diffusaient, les concerts dans lesquels j'étais sollicité par rapport à Bombo Akoulizé me soulageaient. Donc d'où cette rage de revenir en fait avec un son comme celui de vous. Ok. Alors mais pourquoi? Parce que j'ai suivi ton album. Enfin, je sais pas si c'est un EP. Un EP. Oui. Mais pourquoi tu es assez grossier quand même, vulgaire? Les gens pensent que ouais. Bonbon alcoolisé quand même, tu dis des trucs pas trop catholiques dans Owe, enfin un peu même chose, enfin Owe même c'est pas ça, mais dans d'autres sons en fait c'est... Pourquoi ça? Grossier je dirais pas, je dirais juste que je dis les choses telles qu'elles sont, parce que en fait c'est vrai que la musique est d'abord pour divertir, mais maintenant il faudrait aussi savoir que pour faire changer les gens il faut les choquer. C'est-à-dire... Sérieux? Bien sûr. C'est-à-dire que pour faire changer les gens, il faut les choquer. Dans certains de mes sons, par exemple dans Bombo Akoulizé, les gens n'ont pas compris le thème derrière. Quand je dis pourquoi tu fouilles dans mon agenda, pourquoi est-ce que tu te retrouves au bar en train de boire ma bière, pourquoi c'est pas en fait une façon de dire aussi aux jeunes filles, ne vivez pas ce que, avant votre âge, ne faites pas ce que vous ne... Il y a des conséquences derrière vos actes. C'est-à-dire qu'en allant avec un homme, boire une bière, je sais pas, en fréquentant voilà, son boutiquier, Jean-Michel Cancan le disait, en allant se retrouver dans ces 5m50 que je vais dire, il y a des choses qui pourraient arriver. Donc évitez de vous mettre dans ce genre de conditions. C'est une façon ironique de le dire. Ça veut dire que tu rejoins un tout petit peu Malox quand même, qui dit des choses. Et il faut pousser la réflexion pour un peu oui, dit, quoi. Bien sûr, parce que déjà, peut-être on disait avant, maintenant la musique c'est une affaire d'intello. Max Thor est ingénieur en réseau et télécom, c'est-à-dire que même quand j'écris de façon assez légère, il y a un truc derrière. Non, chacun de mes morceaux, c'est un thème, ça s'adresse à une jeunesse précise, ça s'adresse à certaines personnes qui vont se reconnaître derrière le morceau. Maintenant, je dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que le choix, je dis, oui, voilà, mon grand frère, ma grande soeur. Ouais, par contre, le choix, ouais, moi je kiffe parce que le message il est clair. Oui, oui, voilà, j'ai dû éviter de choquer plus que ça parce que je me suis dit, ok, je passe le message tout simplement sans choquer. Maintenant, dans Bombo Akoulizé, sincèrement, c'était un délire. C'est-à-dire que la partie qui a choqué les gens, c'était juste un délire. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, pourquoi pas. Mais dans le reste de mes chansons, par exemple, il y a des chansons qui sont explicites. Parce que j'ai vraiment envie de dire mais pourquoi tu es explicite dans tes chansons? Dans certaines. Mais tu penses que ce sera diffusable et
diffusé. Non, 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 je sais que ce ne sera pas diffusable. Raison pour laquelle l'EP numéro 1 qui est sorti, il y avait de tout. C'est-à-dire qu'il y avait Le Choix, qui était un son vraiment pour montrer ma particularité dans les morceaux à thème, thématique. Et puis surtout aussi parce que c'est un vécu. Maintenant, il n'y avait rien et le NDMC partout. Ils sont plus des kiffs pour la jeunesse qui aime du sale, comme on dit, qui aime vraiment entendre des choses et tout. C'était pour cette jeunesse-là. Mais ce n'était pas des morceaux qui devaient normalement aboutir à des clips. C'est-à-dire que c'est des morceaux à kiff. Maintenant, les projets sérieux de Maxtor, ils sont sérieux. C'est-à-dire que non pas que celui-là n'est pas sérieux, mais je veux dire, il y a des projets qui arrivent, qui sont maintenant plus calés. Parce que là, il faut vendre. Il faut proposer à des parents, il faut proposer à tout le monde. Donc du coup, on attend Maxtor et puis il y a des trucs qui arrivent. Alors moi, j'étais vu en concert, j'ai quand même eu cette chance-là, encore que c'est moi qui t'annonce très souvent dans les concerts. C'est toi qui me l'as rappelé. Toujours. Alors, j'ai regardé toutes mes vidéos sur YouTube, c'est Didier le premier. Ouais. Alors, il y a un truc, moi, qui s'est déroulé dernièrement. Ta mère était sur scène. Ouais. Ça te fait quoi de voir que tu kicks? Tu es tout en sueur, tu te déshabilles et que ta mère soit en train de regarder ce que tu fais. Et les paroles, enfin très souvent explicites, le DJ pèse pour que le public puisse... Toi, ça te fait quoi lorsque ta mère écoute un peu ce que tu dis de trash dans tes chansons? Ça te fait quoi en fait? Ben, pour être sincère avec toi, mes parents m'ont toujours encouragé dans ce que je fais. Attends, tes parents écoutent les chansons? Bien sûr. Même écoutent même les parties... Bien sûr. Ils sont pas toujours d'accord avec ce que je dis, ça c'est clair. C'est-à-dire que ça c'est ce côté que j'ai gardé pour moi. C'est-à-dire que quand je fais écouter mes chansons à mes parents, ok, mon père me donne son point de vue parce qu'il adore la musique, lui-même grand mélomane, c'est-à-dire que amateur. Et ma mère, elle kiffe tout. C'est-à-dire qu'elle écoute, mais je fais l'effort de ne pas arriver à faire écouter certains chansons. Je dis bon maman, voilà un peu le thème du morceau. Mais pour être sincère, c'est que la famille me soutient vraiment à 100%. Et comme je t'ai dit, j'ai pas peur de dire d'appeler le chacha. Moi je le fais. Maintenant, ça blesse certaines personnes, ok. On a l'impression que c'est cette musique-là que je veux proposer. Non, pas du tout. Maxtor va vous proposer autre chose parce que c'est des morceaux à thème. C'est-à-dire que je balance. Je viens, je vais à gauche, je vais à droite. Tu vas, là, tu on vas, va tu m'attendre. Vas, ouais, pas dans ton sens. Non, mais attends, c'est ce que tu as dit. Que je viens. Là où les gens ne vont pas m'attendre, c'est les gens vont m'attendre ici en disant ouais, voilà, il va revenir avec ces choses-là et là, je vais frapper encore. Okay. Parce que moi, je suis, comme je dis, je ne suis pas seulement un rappeur, je suis un artiste. Super. Et dans ma tête d'artiste, j'aime bien la faire cogiter, j'aime bien surprendre les gens. Ok, nous sommes presque arrivés au terme de cette interview, Maxtor. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur toi qu'on ignore? Est-ce qu'il y a des spectacles? Est-ce qu'il y a des tournées? Est-ce qu'il y a des projets à sortir? Est-ce qu'il y a des pages où on devrait te suivre? Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir d'autre qu'on ignore de toi? Bon, pour aller de façon crescendo, il y a des personnes qui ont contacté l'équipe de Maxtor pour un festival qui risque de se dérouler à l'extérieur. C'est-à-dire que on attend d'avoir confirmation. Un festival, oui. On attend d'avoir confirmation pour enfin faire la pub par rapport pour dire bon, ok, Max sera de l'autre côté pour représenter toujours le 237. Mm-hmm. Maintenant, en parlant de concerts locaux, bon, il y en a plusieurs autres aussi qui sont en cours. Mm-hmm. J'évite de les citer ici, mais connaissons à certains concerts locaux qui sont en cours dans lesquels on a contacté l'équipe de Maxtor. Et mes projets personnels, bah, du très lourd. Déjà le clip de Le Choix, mm-hmm, qui se termine bientôt. Mm-hmm. Non, Le Choix qui sort bientôt. Mais avant Le Choix, il y a un clip que je préférais garder en exclu, mais je vais le dire pour toi qui aimes les exclus. Attends, qu'est-ce que tu crois? Voilà, un son avec le petit jeune frère de Fino. Le petit jeune frère de Fino. Fino le Nigérien. Ma première collaboration internationale. Ah, super. Voilà, donc le clip sera tourné dans 2 semaines. Je t'y inviterai. Super. Alors, du coup, je pense que lui sortira avant Le Choix, parce que Le Choix est déjà tourné, mais stratégiquement parlant, on voudrait que Le Choix sorte en septembre parce qu'il y a un message vraiment très lourd derrière. Super. Donc, du coup, voilà un peu les actualités concernant Maxtor. Et concernant les projets à venir, en dehors des clips, comme j'ai cité, beaucoup de projets parce que normalement, il y en a plusieurs qui sont déjà enregistrés, masterisés, bref. Super. Maintenant, stratégiquement parlant, on va juste essayer de voir comment est-ce qu'on va essayer de bousculer le dehors, comme on dit, okay, pour savoir quoi sortir, à quel moment. Mais avant, ladies and gentlemen, n'oubliez pas que
Away Out en featuring avec le général Boss B pour la touche coupée décalée. Exactement. C'est aussi un artiste qui vient super fort. Il faudrait bien évidemment qu'on puisse faire un zoom sur lui parce que c'est lui qui ose en fait faire du coupé décalé sur soit de la trap, soit du hip hop. Et c'est super, super lourd. Et voilà, je l'ai dit, le clip passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision qui se respectent. Allez aussi sur YouTube pour mater toutes les vidéos, tous les spectacles de Mr. Max Thor, mais aussi son dernier vidéogramme Away, en attendant bien évidemment d'autres à venir. Merci encore Mr. Max Thor. Oh oui. D'être passé par ici. Yeah. Alors, la prochaine articulation, ladies and gentlemen, c'est bien évidemment, certes, Mr. Malke Kessou en concert, mais je vous invite aussi à aller à la rencontre d'une artiste. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une caméra qui vit du côté de la France. Elle s'appelle Serna Elena. Serna Elena. Oui, moi je l'ai découverte sur le net il y a de cela deux semaines. Oui, moi aussi je pense que j'ai vu des tweets concernant Serna Elena. Voilà. J'ai pas écouté la musique, mais j'ai vu des tweets concernant ça. En fait, le titre que je vais vous présenter maintenant, c'est Laisse-moi chanter ma chose. C'est une caméra belle et tout, mais comme franglais et tout, ça va vous faire plaisir quoi. Mais j'aime bien le délire. J'aime tout ce qui passe par le délire. Super. Bon, bah on se retrouve peut-être à la fin avec Mr. Max Thor pour conclure. Qu'est-ce que tu crois? On dit I'm down. Laisse-moi chanter ma chose, même s'il n'y a plus d'espoir, 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 d'espoir. Laisse-moi prendre ma dose, wow. Si je vis, c'est bien parce que je survis. Et sans musique, dans ma tête, mille et un souci. Donc s'il te plaît, passe ton chemin et laisse-moi faire le mien.
qui, dites-moi qui n'a jamais eu ce sentiment d'insatisfaction. Qui, dites-moi qui donc aurait pour moi une solution. On a beau se lasser des nouveautés, regretter ce qui est révolu. Passé, on va plus aimer, le temps ne cesse d'avancer. On se marche sur les pieds sans regarder où on va. On fonce tête baissée tout droit dans le nem. Oh ha. Le nem, les problèmes, les galères du camer. Tu as beau boulot, même amen. Every day tu vois comme il n'y a pas les tons. I swear, ma mère et un père. Le bonheur de quelqu'un aujourd'hui, demain c'est le malheur d'autrui. Seule la musique, ma meilleure eau. Et tu me humbles parce que tu n'y as pas mort. Laisse-moi, 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 laisse-moi chanter ma chose, même s'il n'y a plus d'espoir, 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 d'espoir. Laisse-moi prendre ma dose. Si je vis, c'est bien parce que je survis. Et sans musique dans ma tête, mille et un soucis. Donc s'il te plaît, passe ton chemin un et un. Laisse-moi faire le mien. Pourquoi vas-tu donc crier sur tous les toits que tu ne veux pas faire ta bitch? Mais t'en peux plus de moi. Si tu veux parler, tu sais c'est pas difficile. On va se prendre un verre, m'arranger tes fossiles. Mais ne me dis pas comment faire, comment agir ou quand me taire. Car ça, c'est ton problème, tes galères, tes affaires. Tu as beau être là sur mon dos, mais t'inquiète, mes jambes sont costauds. I swear, ma mère et un père. Le voisin que t'as aidé aujourd'hui, c'est lui-même qui te vend autrui. Tout ça, Congo, sac à dos, parce que tu ne y as pas mort. Laisse-moi, 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 laisse-moi chanter ma chose, même s'il n'y a plus d'espoir, 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 d'espoir. Laisse-moi prendre ma dose. Si je vis, c'est bien parce que je survis. Et sans musique, dans ma tête, mille et un souci. Donc s'il te plaît, passe ton chemin un et un. Laisse-moi faire le mien. En vrai, en vrai. Laisse-moi faire le mien. Laisse-moi faire le mien. Laisse-moi faire le mien. Oh ouais. Oh ouais. Et merci, au revoir. Je sais pas comment t'as fait. Ok. Tout est bien. Il finit bien. Ladies and gentlemen, oh oui. Oh oui. Faudrait même que je bosse un tout petit peu sur ce gimmick là. Hein. Oh oui, ça peut être un oui fort quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on voit ça maintenant partout, toutes les chansons. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Yeah. Alors, Marc-Thor, merci encore d'être. Le plaisir est partagé. Merci. Ça nous fait super plaisir et bien. Et aussi beaucoup de courage pour tes entreprises, pour tes projets et tout. On a besoin de ça, gars. Mais surtout, on a aussi besoin de collaboration. Il faudrait que les gens comprennent que le tout, c'est de taper. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est rude. Lorsqu'on voit ce qui se passe de l'autre côté, il faudrait bien que l'on propose des trucs du lourd au Cameroun. Pour que nous puissions aussi compter avec les autres. Mais je puis déjà dire que nous sommes sur la bonne voie. Il y a pas mal de choses. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai... comment je vais dire ça? Je suis embarrassé lorsque peut-être je dois produire une émission, je ne sais pas quel clip jouer en fait. Ce que je n'avais pas au départ. Au départ, au départ. Parce qu'il y a pas mal de sorties, ça sort et tout. Et voilà. Enfin, il y a le dernier Michael Kessou qui est sorti. Il y a quoi encore? Il y a Phil Bacardi qui est sorti. Il y a Ténor qui vient de sortir. Tu vois, ils sont nombreux. Ouais, ça sort vraiment, ça sort. Voilà. La raison pour laquelle nous aussi on est sous pression, c'est-à-dire. Bah ouais, là, ouais, X ouais, sort, ouais. Y sort, gars, et allez, Max Thor sort. C'est comme ça. Justement, c'est la raison pour laquelle les gars doivent se puncher. On punch vraiment et actuellement je peux dire qu'ok les gars doivent s'attendre à ce que Max Thor punch encore plus parce que je me suis disons allié avec des monteurs et du coup ça va enchaîner ouais. Super ouais. Bon bah ce fut un plaisir yeah. J'espère que vous aussi vous avez kiffé sinon que tout c'était juste 52 minutes de matraquage musical. On était avec Victor Max Thor et Dieser de l'autre côté. Prenez soin de vous pour nous et surtout consommez la musique urbaine made in Camer. Demain c'est nous et demain c'est maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Oh oui. Et tu connais le bon son, laisse, je mets le volume. Ah. Le paix, le son te plaît. Oh ouais. Ah, je vois que ça te plaît. Oh ouais. La main, le son te plaît. Oh ouais. Ah, je vois que ça te plaît. Oh ouais. On bouge pas un peu.